Mon combat à Victor Ring dans la course au titre héritage, comment ça s'est passé? Bah écoute, on va voir ça dans cette vidéo. Et pour te remettre un petit peu dans le contexte, pour les personnes qui n'ont pas suivi la vidéo où je parlais justement de ce combat, donc pour te résumer, j'étais dans un match Fatal 4-Way, donc c'est 4 personnes chacun pour soi dans un ring, et le premier à faire un tombé ou une soumission gagne le match. Mais là c'était un Fatal 4-Way un peu différent parce que c'était à élimination. Donc en résumé, c'est le dernier catcheur sur le ring qui gagne le combat. Et d'ailleurs, le catcheur qui gagne ce combat se qualifie le soir même pour participer au main event de la soirée, là où le titre héritage sera en jeu. Et d'ailleurs, le titre héritage, c'est un tout nouveau titre. C'est un titre où il n'y a pas encore de champion. C'est un titre qui est vacant et qui sera mis en jeu pour la toute première fois dans cette soirée, dans ce show-là auquel j'ai participé. Donc, dans les images que je vais te montrer, je vais potentiellement avoir 2 combats si je me qualifie. Mais une chose est sûre, que je me qualifie ou pas, c'est qu'il y aura un tout nouveau champion qui sera couronné ce soir-là. Et d'ailleurs, je vais sans plus attendre te diffuser les images de mon combat et on se retrouve juste après. Franchement, j'étais à ça d'y arriver, mais je me suis fait éliminer malheureusement. J'en ai quand même éliminé un,
mais c'est James Stone qui s'est qualifié pour la finale. Le point négatif dans cette soirée, ben, c'est que je me suis pas qualifié et donc j'ai pas participé dans le main event pour courir pour la ceinture. Mais le point positif, c'est que j'ai eu qu'un seul combat dans la soirée, donc ça me dérange pas plus que ça, parce que des fois, avoir deux combats dans la même soirée, c'est assez dur physiquement. Et d'ailleurs, grand respect aux deux catcheurs qui ont eu deux combats ce soir-là, Junior Benito et James Stone, parce que c'est vrai, je sais que c'est pas facile d'avoir deux combats dans la même soirée, donc franchement, c'est félicitations à eux. James Stone est devenu le tout premier champion héritage. J'ai peut-être perdu ce soir-là, mais je compte pas m'arrêter là, parce que je compte rester dans la course au titre. Ça peut être pour ce titre-là ou pour un autre titre. Je sais que je vais avoir d'autres opportunités, que ce soit chez Victory Ring ou dans une autre fédération, donc je m'en fais pas trop à ce niveau-là. Et en ce qui concerne les futurs shows que je vais avoir, je vais t'en poster un ici prochainement. Mais mis à part ça, mon mois de février est assez calme. Et pour justement compenser le fait que je vais avoir moins de shows au mois de février, j'aimerais avoir ton avis en bas dans les commentaires sur les différents sujets que tu aimerais que je traite par rapport au catch. Comme ça, ça me permettra de rester actif et de continuer à poster, parce que des fois, il y a des périodes un peu plus calmes que d'autres, et parfois ça arrive que j'ai pas un show toutes les semaines, ou même parfois ça arrive que les shows auxquels je participe ne sont pas filmés. Donc voilà, pour compenser et pour que je puisse rester actif, en parallèle des shows que je te montre auxquels je participe et que je fais des débriefs à chaque fois, j'avais pensé à traiter d'autres sujets. J'ai déjà quelques idées en tête, mais évidemment, si toi tu as des suggestions de vidéos, si tu as des idées que tu aimerais, ou des certains sujets spécifiques dans le catch que tu aimerais que je traite, n'hésite pas à me laisser savoir tout ça en bas dans les commentaires. Et d'ailleurs, il y a une question que j'anticipe et qu'on va certainement me demander un jour, c'est de savoir pourquoi je ne parle pas de la WWE sur cette chaîne. Bah écoute, c'est tout simple, parce qu'il y a déjà énormément de chaînes sur YouTube qui parlent de la WWE. Moi, je préfère, mon point de vue avec cette chaîne YouTube, c'est plus de parler du catch, mais d'un point de vue d'un catcheur qui est sur le circuit indépendant, qui est pas forcément, qui a pas forcément un contrat dans une grosse promotion, pour un petit peu te partager la vie de catcheur en tant que tel. Honnêtement, dans le YouTube francophone, j'ai pas vu aucune chaîne comme la mienne, par exemple, de catcheur qui partage sa vie par rapport au catch. Et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Pour le côté anglophone, tu as Matt Cardona qui fait ça avec sa chaîne YouTube. Tu as aussi Sammy Guevara qui partage ses vlogs de vie de catcheur. Donc je trouve que c'est intéressant de faire une version francophone au lieu de traiter des sujets sur la WWE que tout le monde fait. Mais après, voilà, si tu as des questions en rapport avec la WWE, je peux essayer de t'y répondre. Mais bon, après, moi, je suis pas dedans, je travaille pas à la WWE, donc je ne sais pas. Je peux juste te donner des avis. Tu peux me poser des questions sur des avis, ce que je pense de certains catcheurs à la WWE, ou certains matchs, ou peu importe, ou d'autres questions avec la WWE, ça me dérange pas d'y répondre. Mais moi, sur cette chaîne, je traite plutôt la vie de catcheur. En ce qui concerne la fédération Victory Ring, je sais pas trop ce qui va m'attendre dans le prochain show, mais ce que je sais, c'est que le prochain, c'est le 30 mars. Donc évidemment, je te tiendrai informé quand j'aurai des informations à propos de mon combat. Je ne sais pas vraiment dans quelle direction ça va partir. Est-ce que je vais rester dans la course au titre héritage? Ou alors est-ce que je vais être dans la course au titre principal, le titre Victory Ring? Ou peut-être être dans la course au titre par équipe, ou peut-être même être dans aucune course pour le titre. Donc je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Mais dans tous les cas, je suis curieux de savoir ce que l'avenir me réserve pour cette fédération. Donc voilà, ça va mener à la conclusion de cette vidéo. J'espère en tout cas que le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le like, le partage et de t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.